Bonjour à tous, Walker Indosia pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière car nous allons nous faire la Baccarat Baryl. Donc la Baccarat Baryl, pendant longtemps, il n'y avait personne qui venait parce que c'était un petit peu chiant. Et sachant que maintenant, nous avons un succès avec la Baccarat de Baryl, donc nous avons le... Nous avons donc un peu plus de monde. Donc là, je vais essayer de choper. Ah non, là, je l'ai pas eu. Donc là, il est arrivé à ramener son tonneau. Vous voyez, j'essaie de le faire tomber. Donc c'est pas évident. Personnellement, j'avais essayé il y a une fois, il y a longtemps, au début de Guild Wars. Et je me suis remis depuis très peu. Donc j'ai encore un petit peu de mal, mais ça va venir. Et j'espère pouvoir vous fournir des vidéos de qualité. Donc avec le temps, nous verrons ça. Donc nous avons 5 compétences pour la bagarre Baryl qui sont uniques pour chacun. Voilà, là j'ai volé le baril. Hop, ah, il l'a repris. Voilà. Je suis fait expulser par... Alors le but de la bagarre Baryl... c'est de voler le baril à ses adversaires si possible et de le ramener à son PNJ. Donc vous avez pour ça plusieurs compétences, vous voyez, je vais m'arrêter 2 minutes. Nous avons le coup de poing qui frappe l'adversaire de stupeur, nous avons le désarmement, donc on frappe l'adversaire pour lui faire sauter le tonneau des mains, le plongeon avant qui permet de réduire la distance et d'esquiver les attaques, et le je peux me rouler vers l'adversaire avec la quatrième pour lui asséner un coup de pied. Et la cinquième, ça martèle, voilà, ça. Et ça fait tomber, vous voyez, les gens qui sont à proximité. Hop, je prends, non, j'ai pas pris. Et quand vous avez le baril dans les mains, vous avez une 5 autres compétences. Donc on verra quand j'aurai le baril, si j'arrive à le choper. Donc là, vous voyez, il y a égalité, on est 2 à 2. Pas forcément évident. Je suis rapide comme le vent. Ah non, j'ai pas récupéré encore une fois. Hop, là, là j'ai... Ah non, toujours pas. Il y a une belle mêlée quand même, hein. Alors c'est pas évident de cibler la personne qui a le baril. C'est vraiment pas évident. Voilà. Pour l'instant... Alors par contre ici, la bagarre de baril, pareil, je pense que vous l'avez compris, les différentes classes ne servent à rien du tout, car... chacun a les mêmes compétences. Donc là, c'est celui qui est un peu plus habile, on va dire, qui arrivera à se débrouiller mieux que les autres. Et ça se joue donc sur un lac glacier, à Holbrach. Hop, là j'ai le baril, donc je vais le ramener. Chez nous, si j'y arrive, oui, on va le jeter. Hop là, voilà, je l'ai jeté à côté du PNJ. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ils sont là, le PNJ les vire. Vous voyez? Mais bon, là, voilà. Et a priori, le PNJ les est pas viré immédiatement. Voilà. On a rendu le tonneau. Allez,
Alors le PNJ, le joueur qui tient le tonneau, vous voyez les tonneaux qui apparaissent au milieu. Hop, je m'en prendrai vite fait. J'ai raté. Donc pas évident, vous hein, voyez. Hop. Donc on a plusieurs compétences. On peut taper le sol, on peut faire une esquive. On peut aussi jeter le tonneau. Voilà, pas du PNJ. Là, j'ai donné le tonneau. On est déjà à 10 points. Là, il faut que j'essaie de lui reprendre le tonneau. Et on va, je pense qu'on va faire. Bah ben voilà. Eh bien, on a fait donc la victoire. Et vous voyez, j'ai marqué 2 points. Donc j'ai ramené 2 barils. J'en ai volé 2. Et j'ai raté. J'ai raté provoquer. Donc voilà. C'est une forme de PVP qui est assez sympa parce que là, tout le monde est réglé au même niveau. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous aimez.